Aujourd'hui, sur des voitures comme la Peugeot 208 ou la Citroën C4 Picasso, vous pouvez vous garer sans avoir à vous préoccuper du volant. C'est ce qu'on appelle le park assist. Aujourd'hui, PSA Peugeot Citroën travaille sur l'étape suivante qui est le City Park Full Automatique. C'est une fonction qui vous permet de vous garer en créneau et en bataille de façon complètement autonome, sans avoir à vous préoccuper ni du volant, ni des pédales, ni du levier de vitesse. Donc c'est un premier pas vers la conduite automatique. Donc cette fonction est basée sur des capteurs ultrasons, ce qu'on appelle communément les radars de recul. Ils sont disposés tout autour du véhicule. Ils détectent des obstacles, calculent une trajectoire et envoient cette trajectoire au volant ainsi qu'à l'ESP, au moteur et au levier de vitesse. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, on va pouvoir lancer la manœuvre. Donc il suffit de la sélectionner sur l'écran tactile. Je lui indique que je veux réaliser un créneau. Je mets mon clignotant. Et il suffit d'avancer. Donc là, on peut rouler jusqu'à 30 km/h. Donc là, la voiture m'a indiqué qu'elle avait détecté une place. C'est pas à moi de déterminer si la place est suffisamment grande. Je me mets au neutre. J'active la fonction et dès que je suis prête, je relâche le pied du frein et la manœuvre commence. Donc pendant toute la phase du manœuvre, je n'ai plus à m'occuper ni du volant, ni des pédales, ni du levier de vitesse. Et je continue de superviser la manœuvre, évidemment. Donc les changements marche avant, marche arrière sont également gérés par le système. On s'approche à peu près 30 cm des voitures, ce qui nous permet de nous garer dans des places de plus 1 mètre par rapport à la longueur du véhicule environ. Voilà, donc là je suis correctement garée. Le système m'indique que la manœuvre est terminée, le frein de parking est serré, donc j'ai plus qu'à quitter mon véhicule. Donc le système me permet également de réaliser des sorties de créneau. Donc je sélectionne ma fonction, je lui indique que je veux réaliser une sortie. J'active la fonction, dès que je suis prête, je relâche le pied du frein et la manœuvre commence. Donc je continue de contrôler mon environnement. Si à un moment donné j'ai envie de reprendre la main, bien sûr, je peux à tout moment reprendre la maîtrise de mon véhicule. C'est toujours moi qui contrôle la manœuvre, quoi qu'il arrive. Donc là, la manœuvre est terminée, donc je peux repartir immédiatement.